J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi je pète la forme comme d'habitude aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Roblox en tycoon. Et vous, les amis, ça faisait longtemps, effectivement, qu'on n'avait pas fait de tycoon parce qu'on était bloqué dans les escapes de Roblox. Et aujourd'hui, les amis, vous l'avez compris, on se retrouve sur la tycoon de voiture nommée du coup Car Wash Tycoon. Et on va devoir, du coup, les amis, effectivement, avoir un peu de garage, beaucoup de voitures. Et surtout, de quoi nettoyer nos voitures. Eh oui, alors, tu vois, nous, on va être des spécialistes en voiture, tu vois. Donc, du coup, les amis, on va tout de suite, attention, avoir notre terrain. Oui, parce que bon, si je peux pas l'avoir, je peux pas trop jouer, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, les amis, comme dans chaque tycoon, vous le savez, il nous faut absolument bien... Oh, il y a une voiture là-bas. Oh, attends, je peux la prendre. Je peux prendre la voiture. Comment je rentre dedans? Comment je rentre dedans? Ah, je peux pas rentrer dedans. Ah. Ah d'accord, c'est une voiture de décoration. Ah, c'est histoire de dire qu'on est un garage de voitures et on nettoie des voitures, ok, d'accord. Ah bah écoute, ah, puisque c'est comme ça, bah, les amis, comme j'allais le dire, on va commencer bien entendu avec les convoyeurs. Oh, il y a la police. Alors c'est bon, tant pour moi les amis, c'était un bug, elle a disparu, voilà. Donc du coup, les... Mais c'est quoi ces voitures qui vont chez moi? Ah d'accord, c'est les voitures qui viennent se... Normalement donc nettoyer ou aller au garage. Mais le truc c'est que j'ai pas encore de garage, hein, les amis, regardez. Bah, en fait c'est un parking. Voilà, j'ai un parking, écoute, faut bien commencer quelque part, voilà. Donc du coup, comme vous le savez les amis, il nous faut absolument, donc, regardez, de la monnaie pour améliorer bien sûr notre garage. Et comme vous le voyez aujourd'hui, ce ne sont pas des convoyeurs, hein, qu'on va gérer tout simplement. Mais le fait que des voitures viennent, à des gens, tu vois, ils viennent avec leur voiture et qu'on les nettoie ou qu'ils viennent se garer peut-être, tu vois. Ça fait que du coup on va ramasser un peu plus d'argent et du coup on va pouvoir effectivement améliorer notre garage, voilà. Donc on est à 600, alors on va pouvoir acheter le Iron Mechanic. Ah, bonjour, vous êtes le mécano. Vous êtes magnifique, vous êtes très carré quand même, hein. Voilà, donc du coup on a un mécano maintenant qui va pouvoir regarder réparer les voitures. Alors soit il va très vite et du coup en fait quand elle passe il change direct les pneus, tu vois, hop, t'as le temps de revoir. Soit ils oublient de s'arrêter. Et là c'est bizarre, j'avoue, là c'est un peu louche, tu vois. Donc du coup bon, on va récolter encore un peu plus de cash. Voilà, on a 820 comme vous voyez à droite. Et on va pouvoir acheter, qu'est-ce qu'on peut acheter? Parce que je sais pas ce qu'elle rapporte en fait. Je sais pas, je pense qu'à mon avis, bon, ça doit être ça. Allez, attention, on va acheter ça. Oh, ah bonjour, vous êtes le remplacement des pneus. Oui, mais j'aime pas se faire ça, tu vois, j'aime pas ce boulot de cul. Je préférerais travailler à la mécanique, tu vois. Là, je crois qu'il a l'air un peu blasé l'ami, mais vous inquiétez pas. Et je m'occuperai, vous allez voir, de bien de vous. Je vais vous faire un magnifique garage et ça va être le top du top. Voilà, donc du coup, bon, je pense que plus on va ajouter d'employés, plus bien sûr, hein, on va avoir un peu plus d'argent. Voilà, donc du coup, alors on va acheter un oil changer. Oh, c'est pour changer l'huile. Ah, bonjour, je viens de changer l'huile là. Oh, attention à la voiture. Ils sont fous ici, vous avez vu ça, tu vois. Ok, donc du coup, normalement, ouais, c'est ça, regardez les amis. Le cash, il monte plus vite. Enfin, j'ai l'impression, non, il monte plus, c'est ça. Ah, c'est vraiment quand il passe, regardez. Je crois que c'est ça. Regardez. Non? Ah c'est ça, ouais c'est bon, c'est quand les voitures s'en vont, d'accord. Alors attends, si j'achète un parking, est-ce qu'il y aura plus de voitures ou pas? Je pense pas. Alors à mon avis je pense que c'est juste ouais c'est pas pour stocker les voitures, hein. Donc du coup bon il nous faut quand même 1000. Alors les murs on achètera tout ce qui est pour le garage vraiment après bien sûr pour les murs et tout ça. Mais d'abord on va vraiment acheter si on peut avoir un deuxième truc là. Regardez comme une autre plateforme là pour les voitures. Ah ça pourrait être bing. Ah ça pourrait être... Attends on va prendre ça comme ça, voilà. Donc là on a 1100. Et là du coup les amis on va acheter du coup un autre truc. Donc là normalement... Ah non. Bah, elle est où ma ligne là? On m'a un peu arnaqué là, non? Ah c'est pour acheter la ligne pour pouvoir débloquer les points. Ah ouais. Mais je pensais que j'allais pouvoir avoir un autre truc. Non j'ai juste payé 1000$. Ah non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Voilà, j'ai acheté 1000$ pour avoir une nouvelle ligne, pour avoir des nouvelles voitures. Et là, du coup, yes, on va pouvoir récolter ça. Alors, par contre, là, ça monte à 3000. Après, là-bas, c'est 2000. Ah ouais, oh, attention, on les chauffe. Oh, il y avait des voitures de taxi. Oh, c'est excellent. Mais je sais pas si on peut rentrer dedans. À mon avis, je pense pas. À mon avis, je doute, tu vois. Alors, le mieux, les amis, c'est qu'on achète. On va acheter encore un autre truc, une autre plateforme, là, pour les voitures. Comme ça, ça va bien, bien rapporter. Voilà, ça, c'est 500. Mais attends, j'ai envie d'acheter quand même le parking. Parce que c'est le seul truc que j'ai pas. Autant acheter toute la même ligne, tu vois. Regarde, on va acheter le parking. Wow. Et là, tu penses qu'il y aura plus de voitures? Ça serait génial. Bon, à un moment donné, je pense pas. Mais oh, il y en a, ils ont des voitures trop stylées. Oh là là. Je veux les mêmes. Je veux les mêmes. Alors attendez, je me demande s'il y a deux voitures qui viennent en même temps. Ah non, malheureusement, non. J'ai l'impression qu'il y en a. Elles arrivent un peu plus vite. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Elles doivent arriver un peu plus vite. Donc, bon, bah, les amis, on va continuer à améliorer tout ça. On va acheter une autre ligne. Comme ça, vous allez voir que du coup, on aura bien sûr et trois voitures. Ouais, non, ils arrivent à la même vitesse. Bon, peut-être un peu plus vite, je sais pas. Mais pour les mêmes âges, je vois pas de différence. Et voilà, donc du coup, on va aller acheter, bien sûr, l'autre ligne.
Allez, allez, on y va. Bam, voilà. Oh, parti quatrième. Ah ouais. Ah ouais, par contre, là, c'est plus en plus cher. Ah ouais, là, ça va être quelque chose, hein. C'est moi qui te le dis. Regardez ce qu'on peut avoir après. Oh, waouh. Ouais, attention, faut éviter de tomber sur cette voiture. Regarde, je peux même faire pousser. Oh, je suis coincé dans la voiture. Sortez-moi de là. C'est quoi ce bug? Bon, bah, du coup, les amis, comme vous le voyez maintenant, on a 4 voitures qui arrivent en même temps. Regardez, on en a une là. Ensuite, on a la deuxième, la troisième et normalement. Ah non, la quatrième, j'ai pas encore les moyens. Il me faut 3000. Il me faut les 3000. Ah, bon, bah, il va falloir économiser, les amis. Wow, regardez, les amis, comment on se met bien. Oh là là, on est tellement bien. On a déjà 6 800 $. Oh là là, ça vaut le coup, le garage. Ah, voilà, j'ai juste acheté en plus. Regardez, une autre plateforme et un changeur de pneus. Voilà, un employé pour les spécialisations des pneus, hein, plus précisément. Voilà, et du coup, donc je vais hop, ensuite prendre un autre employé pour l'huile. Et du coup, regardez comment ça monte. Regardez ça, regardez. Allez, bam! Et hop, on a 4000 là maintenant, 6000! Oh là 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 là! Oh, c'est génial! C'est beaucoup trop génial! Donc, du coup, bah là, bah. Là, honnêtement, les amis, autant acheter un autre atelier mécanique là! Oh, pff, c'est fou! Bon, par contre, les voitures ne s'arrêtent toujours pas, hein. C'est d'ailleurs assez marrant, tu vois, parce que bon, tu te dis, mais ils finissent dans le mur là-bas, tu dis. Voilà, donc, du coup, bon, alors on va attendre un peu, regardez ça! Oh là là, ça va être bon! Oh là là! Attention! Oh! Waouh! On a 7000! Mais ça va tellement vite. Bon, après, voilà, on faut se méfier, hein, parce que à chaque début de Tycoon, t'es comme ça, tu fais « Oh, oh, ça va être tranquille, on va avoir beaucoup de monnaie, tu vois. » Ouais, c'est ça, mon pote. Au bout d'un moment, tu vas galérer, ouais. Alors, attends, donc là, on est à 3700. Je pense que le mieux, oui, voilà, c'est de terminer vraiment tout l'atelier au niveau du garage. Et on achètera les murs. Voilà, donc oui, bah écoute, hein, c'est un garage ouvert, tu vois, voilà, hein, c'est un garage pour l'été, tu vois. Ah bah s'il pleut, là, on est mal barré, oui, ça c'est sûr, hein, tu vois. Donc du coup, là, c'est bon, on va acheter encore tout ce qu'il faut pour l'huile. Ensuite, il nous faut 9 000 $ pour pouvoir acheter, bien sûr, l'autre atelier mécanique. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir la voiture là-bas, hein, pour pouvoir, bien sûr, se déplacer comme ça. Mais je pense que, bon, le mieux, c'est d'essayer d'en avoir des vrais. Donc du coup, on va acheter, voilà, l'autre atelier mécanique. Voilà, ensuite, c'est combien? 9 500, et après, je pense que ça sera 10 000. Voilà, donc là, là, au moins, ça sera tranquille. Les murs, après, ça coûtera plus rien, hein. Regardez, là, il y a toutes les voitures qui vont passer. On a 4000, regardez ça à la fin, attention. Quand les 4 vont passer, regardez bien. On va, oh là là, oh là là, on est à 4000. On gagne 3500 à chaque fois qu'ils viennent. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est énorme, ouais. C'est énorme, hein. Sachant que le mur, ça coûte 3000, hein. Au début, ça paraissait énorme, mais là, ah bah là, ça vaut plus rien du tout, là, non. Donc du coup, là, 9500, et après, je pense qu'il nous faudra 10 000 de cash pour pouvoir acheter tout ça, donc attention, 9750, d'accord, ça va, c'est même pas 10 000, mais bon, c'est presque pareil, ok, on a 3550, ça roule, et là, normalement, plus qu'un convoi de voiture. Et normalement, les amis, après, on aura l'amélioration à fond. Mais attention, ça sera pas fini. Parce que comme on peut le voir... Ah bah non, on peut plus le voir, il n'y a plus le grand garage qui était terminé à côté. Comme on pouvait le voir, en fait, et bien en gros, les amis, il va falloir aussi après mettre la station de lavage. Bah oui, parce que c'est bien beau de réparer ces voitures. Il faudrait mettre un passage piéton, je te jure. Mais le problème, c'est qu'après, il faut les nettoyer, l'ami. Ok, donc du coup, là, c'est bon. Les amis, maintenant, on a... J'aime bien la tête qu'ils font, ils sont tellement blasés, quoi. Donc du coup, les amis, hop, on a maintenant assez pour acheter le mur. Oh, waouh! Moi, tout ce qu'il y a en fait! Nia ma ce truc! Oh là là! Regardez, je vais m'acheter les portes! Oh, c'est trop cool! Alors, tiens, c'est quoi ça? Tollbox? Ok, c'est pour les. Ok, les outils, ça c'est les barils! Ça c'est les pneus! Ça c'est un atelier! Ça c'est pour savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui, d'accord? Là c'est encore un mur! Oh, c'est les bureaux et tout! Oh, alors, attendez! On va acheter d'abord toutes les portes de garage! Voilà, ça sera mieux, je pense! Allez, bam! Attention, bam, voilà, nickel. Alors je sais pas si ça rapporte plus. Tu vois, honnêtement, je peux pas te dire. Waouh, wow, ça commence tellement à ressembler à un truc. Un garage quoi. Un vrai de vrai garage, voilà. Donc, du coup, ensuite, est-ce que je peux acheter... C'est quoi ça, barrier? Oh, attention. Oh, c'est chaud. C'est quoi, c'est le panneau? Oh, what? J'ai pas vu. Ah, c'est des barrières, attends. Ah, d'accord, c'est des petits poteaux, je les ai même pas vu, tu vois. Je m'étonne que ça coûtait que 200, tu vois. Ouh, par contre, le... Comment dire, le bureau, ça va coûter cher. Regardez, là, on va acheter les chaises. Voilà, les plantes, ça, c'est pour prendre rendez-vous ici, voilà. Non, mais attends, c'est quoi, ça? Quel garagiste met un paquet de pognon comme ça sur le bureau? Non, mais tu sais très bien qu'il va être là pour tout changer sur ta voiture, là. Bon, même s'il y en a, bon, ils sont un peu, c'est le but, hein, tu vois, mais bon. Voilà, donc, du coup, 12 000 $. Voilà, ensuite, on va continuer, les amis, avec le garage door numéro 4. Oh, sympa, ça, regardez. Yay, ok, donc, du coup, on va acheter... Les barrières de sécurité. Voilà, après j'ai vu qu'il y avait les murs là-bas encore à acheter. On va acheter, attendez, on va acheter le monestack.
Voilà, en gros, c'est la banque. La banque du garage, regardez-moi ça. Regardez. Même, voilà, la pile de billets, tu vois. En fait, tu viens de déposer 10 000 de cash, tu vois, au sol, tu vois. En gros, c'est ça, voilà. Donc, du coup, attendez, je vais attendre que les autres voitures repassent. Et du coup, une fois qu'on aura ça, regardez, bam, on va gagner énormément de monnaie, voilà, tranquille. Et on va acheter, du coup, ensuite, je pense, les amis, les autres murs. Alors, par contre, si les voitures passent à travers, je me mets. Honnêtement, regardez. Ah non, elles sortent. D'accord, ah ouais, c'est plus réaliste. Alors, j'ai monté, je suis carrément monté sur la voiture. Et là, du coup, on va pouvoir acheter ensuite un autre mur. D'accord. Oh, il y a encore plein de trucs à acheter ici, regardez. Les barils, ok, toolbox, voilà, c'est la même chose que de l'autre côté, très bien. Bon, voilà, regardez, hop. Ah, oh, j'avais pile ce qu'il faut. Et là, il me reste que 65 de cash. Eh, regardez-moi ça. Eh, il est beau ce garage. Bon, faut lui ajouter un plafond, hein. Voilà, donc 5500 pour le plafond. Et par contre, faut que je trouve le moyen d'ajouter la station de lavage. Regardez, bam. Voilà, hop, le toit, c'est fait, voilà. Ça y est les amis, on a maintenant du coup le garage qui est complet. Maintenant bon, il va falloir quand même acheter des oh, on va pouvoir acheter une voiture, mais c'est 40 000 $ la voiture. On va pouvoir acheter du coup, hop, encore un autre parking. Oh, par contre c'est 11 000 $ le car wash. Ah, alors j'espère que ça va rapporter plus, parce que il nous faut quand même 40 000 de cash pour acheter la voiture du boss, tu vois. Pas la voiture du boss, tu vois. Donc du coup là on a 9 300. Ah, faut attendre encore un peu. Bon, je pense que voilà, les murs et tout, hein, ça permet pas d'obtenir plus d'argent, mais quand même. Attention, attention, ça arrive. Oh, l'argent qui rentre comme ça. Allez, vas-y, 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 bam. Ok, 13 000, on y va. On y va, on y va, on y va. Alors là, du coup, normalement, peut-être qu'il va gagner un peu plus d'argent. J'espère. J'espère, j'espère. Alors, attention. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est bien ça, ouais. Alors, par contre, waouh. Ah oui, par contre, c'est cher. C'est très cher. Alors, est-ce que. Alors, il me faut 4 000. Waouh. Alors, il me faut masse, hein. Alors, je pense que le mieux, c'est d'acheter le spinner. Donc, à un moment donné, ça va être le rouleau. Ah, si, il y a des gens, regardez, ouais. T'as les voitures de Timo. Bon là honnêtement c'est une voiture test, hein, parce que là c'est quoi, c'est genre, c'est un truc de police ou quoi, il y a des voitures de flics partout quoi. J'allais dire, ah je pense que ça, oh, ah oui ça rapporte plus. Oh, c'est génial, c'est beaucoup trop génial. Oh, il faut que je ramène, oh il faut que j'achète absolument le spinner. Donc le rouleau nettoyant là, on dit ça doit être ça, regardez, regardez ça. Ah là là, excellent, excellent. Et là du coup on va acheter ça. Yes, le lavage, regardez, il y a les rouleaux, le lavage ensuite et tout. Alors je vais acheter les murs quand même pour que ça rende un petit peu mieux, voilà. Comme ça, bang, bang, voilà. Ah, là ça ressemble quand même à quelque chose d'autre, tu vois. Là, je peux même acheter le deuxième mur. Tu vois, j'ai acheté pour l'acheter, tu vois. Voilà, très bien, ah c'est des vitres. Oh, sympa pour pouvoir voir à travers. Et là du coup les voitures sont quand même un petit peu mieux nettoyées avec le rouleau, voilà. Et ensuite le lavage. Bon, il faut acheter un autre rouleau je pense, hein. Parce que ça va pas suffire, hein, il y aura encore des traces, tu vois. Il va y avoir encore des traces, les gens vont pas être contents, tu vois. Donc du coup on va aller acheter, les amis, ensuite. Encore, on va prendre de l'argent. Oh, de l'or. Ah ouais, là, là. Pff. Ah là, ça rapporte. Hein. Ah là, là, on est bien. Là, la voiture là-bas, on va l'acheter tranquille. C'est moi qui te le dis. Comme ça, on pourra essayer la station de lavage des garages, tu vois. Voilà, donc, du coup, on va acheter un autre spinner. Regardez. Bam. Voilà, ensuite, un lavage. Et ensuite, un autre spinner pour terminer. Et pour terminer, voilà, un mur. Voilà. Rien à voir avec le spinner, bien sûr. Et là, du coup, les amis, on a effectivement la station de lavage. Regardez ça, quoi. C'est génial, c'est vraiment génial quoi. Trop trop cool, ok, donc du coup là les amis, à mon avis on va obtenir encore plus d'argent et on va pouvoir acheter du coup le deuxième car wash 2. Alors attends, combien j'ai? Je suis curieux, attends, je peux plus passer la barrière de sécurité. Alors j'ai combien? Oh, 15 000. Ouais c'est bon, normalement j'ai assez. J'ai assez pour acheter, donc c'était 16 000. C'est énorme, ça reste quand même assez énorme. Je pense que je pourrais acheter les spinners. Je sais pas si c'est le même prix. Ah ouais, non c'est plus cher. Ah bah ouais. Ah bah non, j'ai acheté les murs sans faire exprès. Ah bah c'est un fail, hein, tu vois. Non mais je peux pas toujours avoir... Bon, je suis un pro, mais bon, quand même. Voilà, donc du coup, alors là, on a combien encore qui traîne? 9 000 $. Oh, pas mal. 9 700. Ah, attendez, on va attendre qu'il repasse. Comme ça, on va acheter le spinner. Regardez ça, ça monte tellement vite, regardez. Waouh, waouh. Mais en fait, on gagne quasiment 2 000 de plus grâce au car wash. Ça va être ça, ouais. Et sachant qu'en plus, ça tombe pas forcément en temps. Oh, c'est quoi ça? Car wash 3, non. Sans déconner, on peut en acheter un troisième. Mais c'est génial. Alors attends, on va acheter ça. Bam. Bam. Voilà. Et ensuite, on va dépenser dans... Ah, bonjour le taxi. Ah, on peut rien acheter d'autre, d'accord. Waouh. Et regardez, les rouleaux sont rouges. Bon, c'est juste une couleur, d'accord. Mais bon, quand même. Les amis, on va continuer du coup avec l'amélioration du car wash. Regardez-moi ça, quoi. Ça monte tout le temps, ça ne s'arrête plus. Entre le car wash, le garage et tout, c'est génial. Alors du coup, on va aller acheter absolument tout ce qu'il faut. Normalement, je pense que... Ah, je dois avoir juste. Ça va être juste assez, je pense. Ah ouais, non, on aura pas assez. On aura peut-être pas assez. Attends, on va acheter ça. 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 Ouais, 9 000. Waouh. Ah ouais, c'était terriblement cher. C'était terriblement cher. Ah, malheureusement, il va nous manquer un peu de sous. Il va nous manquer un peu de sous. Mais bon, honnêtement, ça va le faire. Et après, on achètera, bien sûr,
le fameux car wash numéro 3. Et je vais avoir le garage, le meilleur garage du serveur. Attention la police. Ils sont violents la police maintenant. Attends, j'économise. Allez, allez, ça monte. Bum. Ah, j'ai même pas le temps de tout récupérer quoi, ça va beaucoup trop vite, voilà. Donc là on a 21 000. Là normalement on devrait pouvoir acheter, alors le car wash, oh, 35 000, oh, ah ouais ça suffira pas. Ça suffira pas du tout, mais pas du tout. Ok alors attends, bang, ça en prend et ça en prend, voilà. Et là normalement les amis ça y est, on a terminé avec le car wash numéro 2. Il nous faut maintenant 35 000 les amis. Moi je propose, avant d'acheter le car wash numéro 3, je propose qu'on s'achète la nouvelle voiture, enfin la voiture, oui voilà, celle là-bas, là, 40 000. Normalement, je pense que. Waouh, ça va être assez rapide, regardez-moi ça. Regardez comment ça monte. Ça monte beaucoup trop vite. Regardez ça, quoi. C'est génial. C'est beaucoup trop génial. Ouais, il nous manque seulement 10 000 de cash. Et les amis, on va pouvoir s'acheter cette voiture. En plus, celle-là, on peut la piloter, donc c'est vraiment plutôt cool. Allez, allez, dis-moi que c'est bon. Il manque, on peut y avoir, on peut l'avoir. Allez, il manque 5 000. Juste 5 000. C'est pas énorme, 5 000. Si, c'est énorme, 5 000. Mais bon, là, c'est pas énorme, 5 000. Voilà, attention, les amis, on y est presque. On y est presque. Allez, 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 allez. Oui, yes. C'est bon, on les a. Ok, donc là, du coup, direction la Cherry Car. Oh, attends, c'est quoi ça? Starter Car. Ah. Ah. C'est quoi? Oh, mais elle est belle. Oh, elle est sympa, celle-là. Mais attends, bah, je ne savais pas que je pouvais avoir une voiture, et moi. Forcément, voilà, j'ai beaucoup trop de cash, là. Mais attends, je vais acheter quand même l'autre. L'autre, elle est magnifique. Je sais pas si c'est celle qui était dorée, là. Attendez, on va l'acheter. Il nous la faut, les amis. Il nous la faut. Ah, là. Oh yes. Oh, c'est une Camaro ça. Waouh, elle est tellement belle. Oh là là, regarde comment elle va vite. Bon par contre c'est un moteur électrique, hein, elle fait pas de bruit. C'est bon pour la revirer à demain, tu vois. Waouh, elle va trop vite. Attention. Oh là là. Oh wow, c'est carrément retourné quoi. Bon j'ai toujours les cheveux qui dépassent. Problème de personne ayant des coupes de cheveux assez longues. Bonjour monsieur. Je viens pour le lavage de la voiture. Excusez-moi. Je viens pour le garage de la voiture. Ah, je l'ai coincé. Attends, si je me bloque comme ça. Oh, oh, oh. Je peux coincer les voitures. Mais non. Mais là, du coup, la personne, elle peut plus gagner d'argent, là. Oh là là, oh là là. Pff. Oh, c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Oh, il va péter un câble. Excusez-moi, monsieur. Je vous ai un peu rentré dedans, hein. Oh là là, oh elle est bloquée. Oh là là, oh c'est bugué. J'ai bugué le jeu les amis. Furious Glitcher. Oh c'est pas possible, oh je suis infernal. Oh je suis infernal, oh je suis désolé. Mais là là, il faut que je recule un moment. Ah non mais non, faut que j'arrive à sortir. Oh là là, j'ai bloqué une voiture. Oh je suis désolé. Attends, je l'ai vraiment bloqué, ouais. Allez, allez, allez. Ah non c'est bon, voilà ça se débloque tout seul. Oh il va vraiment me détester. Les amis je pense qu'on a fait assez le fou pour aujourd'hui. Voilà bon déjà tu vois l'état de la voiture, elle a pas fait long feu. Donc du coup les amis on va acheter bien entendu le dernier car wash. Enfin je pense que c'est le dernier à mon avis parce que 35 000 ouais c'est énorme. Ah, c'est énorme, on est d'accord. Donc on va acheter absolument tout. On va acheter le spinner, on va acheter ça, bam, ensuite ça, bam. Et voilà, c'est excellent. C'est excellent, il va nous falloir encore économiser, bien sûr, les amis, pour acheter la totalité du car wash numéro 3. Les amis, regardez, on a plus de 100 000 $. Bon, là, autant vous dire qu'à mon avis, là, les amis, on est complètement tranquille. Attention, la police. On va pouvoir, du coup, acheter absolument tout pour le car wash. Ça va être génial. J'avais jamais remarqué, regardez, avec ce style de mouvement, regardez, mon J de mon F est en train de bugger complètement, quoi. Voilà, donc, du coup, on va acheter ensuite absolument tout. Oh là là. Oh, c'est terrible. Oh, c'est... Oh là, toi. C'est vraiment la police, ça. Oh, oh. Il m'en va, là. Ok. Oh, ça y est, on a tout. Attends, on a absolument tout, tout, tout. Mais non. On aurait le plus grand garage. Le plus grand garage du Roblox. Quand je regarde, hein, c'est là. Ça, c'est pratique pour voir si t'as... Comment dire, les... Absolument tout. Oh, oui, on a tout, les amis. On a terminé. On a fini le Tycoon. Et ben voilà. Oh là là, c'est tellement cool. Tellement cool. Regardez ça. J'ai le... Qu'est-ce que c'est que ce bang là? Non mais attends, me dis pas que je dois conduire la voiture comme ça là, non? Ah si, d'accord, très bien. Ok, non mais c'est un style. C'est bon, c'est un problème de récurrent sur cette voiture, le bug là. Eh ben écoutez, les amis, on va du coup s'arrêter là pour ce fameux tycoon nommé Car Wash. J'espère en tout cas, les amis, qu'il vous aura extrêmement plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous abonnez à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir, les amis. Je vous remercie grandement. Et je vous dis du coup à très bientôt. Et n'oubliez pas de laver vos voitures. Ciao, les amis.